je suis Monsieur Rawan Diop, auteur. Je voudrais vous présenter ce dernier ouvrage qui s'intitule « Une monarchie au cœur de la République, l'infirmité rédhibitoire de l'État sénégalais ». Je crois que c'est un coup de cœur. Ce livre, c'est le constat de notre quotidien. Notre quotidien en lambeaux, parce que tous les jours, c'est le délitement de l'État central à travers des pratiques peu orthodoxes. C'est à croire que nous ne sommes plus en République, mais nous sommes un peu dans la jungle, parce que les pratiques sont hors normes. Et j'ai eu peut-être l'impression de constater, au même titre que les Sénégalais, que il y a peut-être... nous sommes dans un état hybride qui allie à la fois république et monarchie. Donc depuis 1960, nous avons un état républicain, de façon après bien sûr l'état parlementaire, nous sommes dans un état républicain. Mais ce qu'il y a, c'est un régime présidentiel, mais le présidentialisme nous a forcés à faire cohabiter dans un même espace, dans un même corps, république et monarchie. De sorte que finalement, on sent beaucoup plus la monarchie que la République. Parce que la République, ça renvoie à des valeurs. Ça renvoie à un consensus, ça renvoie à l'équilibre des institutions, ça renvoie à une situation, citoyenneté affirmée. Mais malheureusement, ici, tout se passe dans un cercle restreint. Les gens qui sont promis, et l'argent public profite à une minorité. On me dit, par exemple, le budget national, les recettes, c'est 2 100 milliards. À part les 890 milliards qui servent, bien sûr, à rembourser le principal et les intérêts de la dette, 1 100 milliards, ça profite, bien sûr, aux fonctionnaires. Il reste 300 et quelques milliards pour faire fonctionner les ministères et investir pour le peuple. Et donc, finalement, la République ne bénéficie pas au peuple. Ça fonctionne, bien sûr, pour une minorité. Une minorité de privilégiés qui sont des affairistes, l'alliance du politique, du culte et de l'occulte qui règne sur un peuple. Ce peuple, ce grand peuple souverain captif de notre démocratie. On le convoque chaque fois, bien sûr, pour voter, mais passer l'élection, il paye les pots cassés de sa naïveté. Voilà. Et depuis 1960, ça fonctionne comme ça. Depuis la séparation de Senghor et de Mamadou Dia, on sent beaucoup plus la monarchie que la République. Et malheureusement, ce n'est pas exagéré de le dire, mais c'est ce que nous constatons au quotidien. Avoir un emploi, il y a des gens beaucoup plus privilégiés. Tous les jeunes qui cherchent de l'emploi vous diront que leur collègue ou leur condisciple a été parrainé par sa tante, par son oncle, par un directeur de société. Les exemples récents vont dans ce sens-là, du port autonome, où il y a eu une foison de listes, même la liste du Griot du Prince. Voyez, tout ceci ne rime pas avec démocratie, ne rime pas avec république. Ce sont des pratiques occultes, des pratiques dévoyées, que l'on retrouve beaucoup plus dans une monarchie que dans une république. La République a ses codes de fonctionnement qui sont universels, reconnus et acceptés par des gens civilisés. La monarchie, par contre, c'est dans l'occulte, c'est dans l'informel, l'impréparation, le cercle des initiés, les échanges de bons procédés. Je vous remercie, je vous invite à lire ce livre, à faire part de vos suggestions et critiques. C'est comme ça peut-être qu'ensemble nous pouvons bâtir quelque chose. Construire la République, ça demande l'effort de tout le monde. Je crois qu'aucune voix, aucune idée n'est de trop pour aller dans ce sens-là. Je vous y exhorte. Merci.